Bonjour, je m'appelle Tamara Al-Sadi et je suis la metteuse en scène du spectacle Brûlé qui a été créé à Paris et qui arrive aujourd'hui à Théâtre en mai. Brûlé, c'est l'histoire de 5 adolescents qui se retrouvent enfermés dans leur collège dans le contexte des émeutes de banlieue de 2005. Ces 5 adolescents sont composés de 4 amis qui semblent collaborer ensemble, travailler ensemble, et d'une cinquième personne qui s'avère être le bouc émissaire de l'école. Tout ce petit monde se retrouve accidentellement enfermé là durant une nuit et on assiste à un bouleversement des rapports de force entre ces 5 individus. Alors c'est une pièce courte qui dure une vingtaine de minutes, qui est jouée une première fois, mais elle a pour spécificité que les acteurs connaissent les 5 rôles et qu'ils tirent au sort leur rôle au début du spectacle. La pièce est jouée une première fois, et suite à ça, le public est impliqué et doit choisir une nouvelle distribution. Puis la pièce est jouée une seconde fois. C'est un procédé, un dispositif qui permet de raconter en quoi les stéréotypes sont des fictions sociales et que les hiérarchies des rapports de force sont échangeables à merci. Et puis, il y a une toute dernière partie qui raconte peut-être l'envers du décor, l'envers de ces stigmatisations, qui raconte les endroits de complexité et de douleur et les conséquences que génèrent ces stigmatisations dans nos sociétés. C'est une pièce, malgré le thème comme ça, qui en fait paraît lourd et en fait drôle, inventive, qui a beaucoup d'énergie, qui est portée par 5 comédiens que moi j'estime être époustouflant. Et puis une raison de ne pas rater de spectacle, c'est que je pense que vous avez jamais peut-être assisté à un tel procédé et que souvent les adolescents comme les adultes en ressort avec de nouvelles questions et pas mal de joie.